Les productions de La Tour présentent Pélagie la charrette d'Antonine Maillet, lu par Antonine Maillet. Quand j'ai eu 10 ans, j'avais 10 ans le 10 de mai, donc on m'a dit, puisque tu as 10 ans le 10, tu as le droit de faire un vœu. Et ça va se réaliser, tu vas faire un souhait. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais souhaiter, que ça va durer toute ma vie, parce qu'une seule fois dans ma vie, j'ai le droit de faire ce vœu-là. Et j'ai fait le souhait qu'un jour, je rentrerai dans mon village et qu'on me fêterait pour avoir écrit l'histoire d'Évangeline. Parce qu'Évangeline avait été écrite par un Américain et ça me révoltait. Il fallait qu'on écrive nous-mêmes notre histoire. Et c'est comme ça que je suis venue à l'histoire de Pélagie, qui est au fond, est une nouvelle Évangeline, est une Évangeline 2, mais une Évangeline faite par nous. Sauf que bien sûr, je n'allais pas l'appeler Évangeline. Et bien sûr, je n'allais pas faire l'histoire qu'avait fait Longfellow. Et d'après mon tempérament, à moi, qui suis beaucoup plus optimiste, je ne peux pas me résoudre à écrire des histoires où on massacre. Je n'allais pas faire la déportation. Alors j'ai fait le retour, qui est la montée vers quelque chose. C'est le retour au pays. C'est la renaissance du peuple acadien au lieu d'être sa destruction. Et c'est comme ça que j'ai bâti petit à petit l'histoire de Pélagie. Mais quand je l'ai commencé, je ne savais pas exactement où j'allais. Je savais qu'il y aurait Pélagie, je savais qu'il y avait Belloni qui était le conteur qui nous racontait ça. Il fallait une résonance, une distance, n'est-ce pas? Ça devenait de la petite histoire au lieu de la grande histoire. Au lieu d'être un historien, j'étais un chroniqueur. Mais ce que je ne savais pas, c'est que j'étais en train d'écrire une épopée. Mais aujourd'hui, je me rends compte que probablement la vraie raison pourquoi j'ai écrit Pélagie, c'est que sans Pélagie, je n'existerais pas. Parce que c'est elle qui a fait naître la nouvelle Acadie. Je lui dois la vie. Eh bien, en retour, je lui donne la vie. Belloni, le premier du lignage des Belloni à sortir du grand dérangement, était déjà un vieillard épluché quand la charrette se mit en branle. Et il déchiffra pour les jeunesses qui montaient à bord la légende de la charrette de la mort. Il l'avait vue de près tant et tant de fois. Entendu, Belloni, entendu, car personne jamais n'a vu ce sombre fourgon, sans portière ni fanaux, tiré par 6 chevaux flambant noirs. Une charrette qui parcourait le monde depuis le commencement des temps. Si personne l'a donc vue, comment c'est qu'on sait qu'elle est noire, votre charrette? Que planta Pélagie en plein dans le front du vieux radoteux. Hi! Pour toute réponse de Belloni, car en bon conteur de sa profession, il se réservait pour ses comptes, Belloni, et ne gaspillait jamais sa salive dans des obstinations perdues. Verrait qui verrait. Aucun vivant n'a encore vu la mort et tout le monde la connaît. Tout le monde connaît le diable encorné et la charrette fantôme, noire, sans portière, tirée par 3 paires de chevaux. Voilà. Et qu'on n'en parle plus. D'accord, qu'on n'en parle plus. Mais Pélagie savait qui en reparlerait le premier. Et à coup de « hu, dia », elle remit les bœufs en marche. La charrette de la mort pouvait s'aller embourber dans les marais de Georgie. Elle, Pélagie, conduirait les siens dans la charrette de la vie. Embarque, Célina, et prête point attention au radoteux. Célina garocha sa besace sur les genoux du radoteux et enfourcha la ridelle. « Tu m'avertiras quand ce sera mon tour de marcher, Pélagie. Je suis point plus décrépite qu'un autre. » Point plus décrépite, non, juste un brin plus clopeuse. Mais Belloni dit ça sans dire un mot et sans cesser de sourire de toutes ses brèches à Célina qui épluchait sa pensée jusqu'au cœur. Fallit qu'on l'amène à tout dresse, il a. Fallit. On ne laisse pas seul en Georgie un vieillard qui approche 100 ans et qui n'a plus ni famille ni parenté parmi les vivants. Pélagie n'aurait pas eu le cœur de laisser derrière le doyen des déportés, même s'il devait traîner avec lui jusqu'à la Grand Pré sa charrette fantôme. « Il la traînera, je le connais, que renchérit Célina. Pourvu qu'il se mette point en tête d'y atteler nos bœufs. Bien le bonjour, jeunes gens. Dérangez-vous pas pour moi. » Les jeunes gens, c'étaient les 3 fils de Pélagie et sa fille Madeleine, qui rangeaient déjà les affaires de Célina avec les hardes, les victuailles et les paillasses, tout ce qui restait de bien au Leblanc, après 15 ans de Georgie. On avait tout vendu, linge de toile et coupe d'étain, réchappés du dérangement, meubles, volailles, moutons, même un abri de planches qui avait soulagé leur exil et empêché la famille de partir à la dérive comme tant d'autres.
pas moi !» qu'avait crié Pélagie, en voyant tomber les déportés comme des mouches tout le long des côtes georgiennes. « Je planterai aucun des miens en terre étrangère !» Et à partir de ce jour-là, son premier jour de terre ferme, après des mois et des mois, au creux des lames de 30 pieds qui, depuis les rives d'Acadie, avaient déjà avalé la moitié de ses gens, Pélagie avait juré aux aïeux de ramener au moins un berceau au pays. Mais ses enfants avaient poussé trop vite, même la petite Madeleine, née en pleine goélette anglaise. Et quand enfin Pélagie put appareiller, son dernier né avait 15 ans. Et pour tout bâtiment, Pélagie gréa une charrette. L'exil, c'est un dur moment à passer pour l'histoire, hormis qu'elle en sorte. Pélagie avait entendu dire que tout le long de la côte, en Caroline, dans la Maryland et plus au nord, des Acadiens sortis des goélettes du gouverneur Lawrence, comme elle, et garrochés au hasard des anses et des baies, transplantaient petit à petit leurs racines flottantes en terre étrange. Lâcheux qu'elle n'avait pu s'empêcher de leur crier par-delà sa frontière de Georgie. Car les racines, c'est aussi les morts. Or, Pélagie avait laissé derrière, semé entre la Grand Pré et les colonies du Sud, un père et une mère, un homme et un enfant qui l'appelaient chaque nuit depuis 15 ans. Viens-t'on ? Viens-t'on ? 15 ans depuis le matin du grand dérangement. Elle était une jeune femme à l'époque, 20 ans, pas un an de plus, et déjà 5 rejetons dans les jupes. 4, à vrai dire, le 5e étant en route. Ce matin-là, le destin l'avait surprise au champ, où son aîné, que Dieu ait son âme, l'avait rattrapé à coups de « Viens-t'en, viens-t'en !» Le cri lui avait collé au tympan. « Viens-t'en !» Et il avait vu les flammes monter dans le ciel. L'église brûlait, Grand Pré brûlait, la vie qu'elle avait laissée jusque-là couler dans ses veines fit un tel bouillon sous sa peau que Pélagie crut qu'elle allait éclater. Elle courait en se tenant le ventre, enjambant les sillons, les yeux sur la Grand Pré qui avait été la fleur de la baie française. On empilait déjà les familles dans les goélettes, jetant pêle-mêle les Leblancs avec les Hébert, avec les Babineaux. Des marmots issus de Cormiers cherchaient leur mère dans la cale des bourgs qui huchaient aux poiriers d'en prendre soin. Des goélettes à l'autre, les Richards, les Godettes, les Chiassons tendaient les bras vers les morceaux de leur famille sur le pont des autres et se criaient des « Prends garde à toi !» que la houle l'emportait en haute mer. Ainsi un peuple partit en exil. Et elle, Pélagie, avec les lambeaux de famille qu'elle avait réussi à rescaper du dérangement, avait atterri à l'île d'Espoir, au nord de la Georgie. Île d'Espoir. Le seul bon augure de ce nom avait gardé en vie cette femme, veuve d'Acadie, et ses 4 orphelins. L'espoir, c'était le pays, le retour au paradis perdu. Les adieux de la charrette à l'île d'Espoir ne furent pas joyeux, en dépit du sourire plein la face de Bélonie et des huchements de Pélagie à ses commères d'exil. « Je replanterai votre bailliage laissé en fleurs, et je vous en ferai de la soupe quand vous vous déciderez de rentrer au pays !» Et les voisines s'essuyaient les joues et le menton du revers de la main, en s'appuyant sur les hommes ou les enfants qui leur restaient. Tandis que dans un grand « Huot !» Pélagie remettait en marche sa charrette à bœufs. Mais dans les propres ornières de la charrette de Pélagie grinçaient les roues invisibles de la charrette de la mort. Et le vieux radoteux de Bélonie reprit son récit là même où le piébeau de Célina avait planté son point d'orgue. La charrette roulait déjà depuis plusieurs jours, allègre sur ses 4 roues huilées à la sève de tournesol, ses ridelles dentelées dans le ciel et son pont tanguant comme une goélette au large, quand les bœufs de tête s'arrêtèrent brusquement, immobilisant tout l'équipage. Pélagie se dressa. Les autres attendirent. « Mais c'est la Catoune !» que fit Célina qui venait de sauter de la charrette. C'était la Catoune, en effet, l'enfant de Beaubassin, échoué dans la mauvaise goélette lors du grand dérangement. On n'avait jamais réussi à défricher les origines de cette petite fille d'à peine 3 ans qui n'apportait pour tout bagage qu'un surnom, le nom de sa terre de Beaubassin et un cri. « Zéphin !» Elle avait dû passer de pont de navire en pont de navire, la Catoune, car personne ne pouvait expliquer comment, en plein océan, elle avait surgi dans la cale du Nightingale qui transportait les Leblancs, les Richards, les Rois, les Béliveaux, les Bourgs et des morceaux de famille Babin et Babineau.
Mais grouillez-vous, Charles et Coco. Vous voyez point qu'elle est à bout, l'enfant de Dieu. Oui, elle gisait à travers la route, la pauvre, râlant et tremblant de tout son corps, de chamouillée. Et Charles et Jaco, les jumeaux de Pélagie, si fondus de corps et d'esprit qu'on avait fini par fondre leurs noms en un seul et ne plus les interpeller qu'au pluriel, soulevèrent ensemble l'enfant de Dieu qui, après 4 ou 5 jours de jeûne, ne pesait pas plus lourd qu'un ange. Et là, quoi c'est que j'en faisons? Va nous crier du lait, Madeleine. Je pouvant toujours bien pas quitter crever cet esclave du bon Dieu. Et Madeleine obéit. Oui, Bélonie. Ce matin-là, la charrette de Pélagie était plus forte que la vôtre. Riez-en à votre aise. Car au bout d'une heure, Madeleine revint non seulement avec du lait, mais avec toute la chèvre. Et la catoune fut sauvée. Pélagie regarda avec tendresse cette fille de moins de 20 ans qui était partie seule, à pied et à jeun, décidée à suivre les déportés jusqu'en Acadie. Et s'essuyant le nez du revers de la main, elle claqua un grand coup de fouet sur le flanc des bœufs. « Ces beaux bassins sont encore sous le soleil, tu les retrouveras, ma fille, » qu'elle dit. Et chacun comprit que la catoune aurait désormais son écuelle et sa botte de paille, comme les autres. Célina se le tint pour dit. « De toute façon, c'est point moi qui aurais le droit de rejeber. » Ça, pour qu'on sache bien, à la grandeur du continent, qu'elle-même était montée dans la charrette des autres, la Célina, et qu'elle le savait. Quelques mois plus tard, on atteignait Beaufort et la première parenté depuis l'île d'Espoir. Les Hébert, les Douairons, les Chiassons, les Giroux et les Cormiers. C'est point vrai, Seigneur Dieu. C'était vrai. Vrai comme elle était là, Célina, en train de faire taire Bélonie qui n'était pas encore sortie de Port-Royal, le pauvre homme. Ceux-là sont des pays et pays de beau séjour, le vieux, point de Port-Royal. C'est pas sa faute, il est mélangé. De beau séjour et de beau bassin, Bélonie, de beau bassin. Prête et point attention, radoteux. Toutes les nouvelles étaient vieilles de 15 ans, lors de ces retrouvailles de grands prés et de beaux séjours et beaux bassins, au sud de la Caroline. Et durant des jours, on s'échangea ses morts et ses nouveau-nés, ses errances et ses errements, et même ses rêves en cachette. Si vous pouviez assurément fournir un chariot, un charton, et chacun prendrait son tour à marcher plus souvent, c'est tout. Il vous reste un continent à franchir, Pélagie, je ne sais pas si tu le sais. Pélagie put reprendre le compte des beaux séjours et beaux bassins qui s'accrochaient désormais à sa charrette. Quelques hommes, un peu plus de femmes, et mon Dieu, des enfants. Pour la première fois, des enfants dans la charrette de Pélagie. Madeleine et Catoune en eurent les joues illuminées. Charles et Coco en grommelèrent pour la forme, puis tout rentra dans l'ordre. On allait partir vers le nord, quand l'un des Douairons prit à l'écart Jeannot Coin qui s'en vint parler à Pélagie. En cachette, un déserteur avait rejoint Beaufort de nuit et supplié Antoine Douairon de plaider auprès de Pélagie la cause des rescapés de Port-Royal. « Tu veux dire que des familles au grand complet sont là depuis 15 ans, cachées entre les ronces et les roseaux des marais? » « Point au grand complet, mais ce qu'il en reste. » Pélagie n'en revint pas. « Mais même le beau Lawrence doit avoir rendu l'âme avec les tripes à l'heure qu'il est. » C'étaient les Légères, les Thibaudots, les Bourgeois, tous de braves artisans et paysans du port royal d'Acadie que des goélettes anglaises avaient raflés avec les autres au matin du grand dérangement. Et plus que les autres, ils avaient subi un malheur qu'ils devaient traîner toute leur vie, les rescapés du Blackface. C'est un Légère, dit La Rosette, qui raconta au compteur Bélony et à l'équipage de la charrette la fin de la goélette qui avait été leur prison. Dans un havre de Caroline, à l'embouchure de la Coosawatchie. La quoi? La Coosawatchie, une manière de fleuve qui rentre dans les terres en inondant les marais tout autour, ce qui les rend quasi inhabitables. À l'embouchure de la rivière, donc, la goélette avait accosté. Bonne affaire. Le capitaine avait d'abord vérifié les fers de ses prisonniers qui avaient déjà tenté de s'enfuir en Virginie, il s'en souvenait. Il fallait pas se fier à des Acadiens qui avaient l'habitude des mers, pas se fier. Ah, pour ça, il avait raison. Puis, il avait libéré pour une nuit un équipage de rouspéteurs enclins à la mutinerie. Et lui-même s'était enfermé par précaution dans la cabine du gaillard d'avant pour y boire son grog tout à son aise. Le cochon! Ce qu'il ignorait, le capitaine, c'est que les Thibaudots, de père en fils, étaient les plus habiles, les plus solides maîtres de forge de toute l'Acadie. Ah ah! Eh oui,
depuis le premier de la lignée sorti de la seigneurie d'Aulnay. Voilà que les Thibaudeau s'étaient passé la forgerie comme on se passe un gobelet d'argent, d'héritier en héritier. Et alors, si vous pensez qu'un forgeron qui a brisé durant toute une vie les fers des chevaux et des bœufs saura point en une nuit briser ceux de ses frères et compères prisonniers des Anglais, ah, ah! Et Jean a vendu de la cale en premier les femmes et les enfants. Puis, avant de quitter le pont, Jean grattait deux pierres et mit le feu à un bout de câble qui s'en allait finir à la poudrière, juste en dessous du gaillard d'avant. Le conteur se tut, car la suite passait mal le gosier. Il balbutia des bribes d'images restées dans toutes les mémoires durant les longues années de leur vie cachées dans les marécages. Des images de navires qui craquent, puis s'enflamment, puis crachent des barils de feu contre les mâts. Puis cette image, celle-là, d'une torche vivante, un capitaine courant sur le pont brisé, tenant dans ses mains sa tête de barbe noire en brasier. Quand la charrette put reprendre son souffle régulier, on laissa s'éteindre les dernières flammes dans les yeux, puis on précipita la suite. La tête des Acadiens mise à prix, leur nom affiché dans toutes les villes et tous les bourgs de la Caroline. Il était grand temps, pensa Pélagie, que ce port royal du Sud remonte au Nord et tourne la page de l'exil. Un coffre à steur, tout de même, il fallait pas exagérer, des gobelets d'argent, des toiles de lin et un coffre, voyons. Allait-on traîner un coffre de bois franc rempli d'airtailles de 1755 jusqu'à Port-Royal et la Grand-Pré? Célina s'interposa. J'ai laissé derrière toute ma batterie et tout mon barda. Je quitte le Sud le cœur plein, mais les poches vides, hormis de mon paroissien. Ça fait que débarrassez-vous. Si vous pensez, les bourgeois n'étaient pas parvenus à camoufler leur coffre dans une cale de goélette anglaise durant des mois, puis à le débarquer de nuit, la fameuse nuit, à le transporter de barque en chaloupe, en radeau jusqu'au fond des marais, pour ensuite le laisser en héritage à des Flandrins qui n'avaient même pas le courage d'entreprendre le voyage de retour. Pacifique et Jeanne Bourgeois s'assirent sur le coffre et ne dirent plus un mot. Et le coffre partit vers le nord avec le peuple en marche. Le peuple marchait déjà depuis des mois, roulant sa charrette et ses chartons sur les cailloux d'Amérique, quand le petit Frédéric Cormier se réveilla un matin le front chaud et le ventre douloureux. Il n'était pas douillet pourtant. Encore hier, tenez, il avait grimpé dans un cerisier sauvage, l'escrable, et on avait secoué toutes les branches. Madeleine Catoune, Charles Coco et les jeunes recrues de Port-Royal et de Beaufort avaient fêté la Saint-Jean au jus de cerise à grappes, coiffant du bonnet des fous Jean à Pélagie et les deux Jeannes. « Et j'ai du grain de mie, et j'ai du grain de paille, et j'ai de l'oranger, et j'ai du tri, et j'ai du tricolis, et j'ai des allumettes, et j'ai des ananas, j'ai de beaux oiseaux. » Célina, au premier jet de l'enfant, était partie à travers champs. Le petit ne souffrait ni de la picote, ni du haut mal, ni des oripiaux. C'était le ventre. Trop de cerises hier au soir, je l'ai dit. Et des cerises à grappes par-dessus le marché. Ah, les enfants d'aujourd'hui. De mon temps. De plus en plus malade, le petit Frédéric. La Catoune et Madeleine en étaient affolées et tournaient autour du clan de Beaufort qui attendait sans rien dire. La guérisseuse avait grande réputation et avait soigné déjà une crousse-gorge et même des poumonites. Tout à coup, Marie Cormière agrandit les yeux et tendit l'oreille. « Arrêtez! Arrêtez ce bruit! Ces roues de charrette qui grincent, arrêtez-les! L'enfant est malade! Arrêtez le bruit des essieux! » « Mais non, Marie, la charrette ne bouge pas, tu divagues. Personne ne bouge. »« Si, si, j'entends! Tenez-vous tranquille, j'entends les essieux! Le fouet, arrêtez-les! » Où donc est la Célina, pour l'amour de Dieu, Célina? Qu'est-ce qu'elle fait à traîner comme ça? « Viens-t'en, Célina! Arrêtez la charrette! » « Mais où? Là-bas! » Non, à gauche, tout proche, arrête! Quand revint Célina, ployée sous son fagot d'herbage, l'enfant était mort et la guérisseuse rendit ses plantes à la terre. C'est malaisé, qu'elle dit, de reconnaître le séné et le thé des bois dans le pays des autres. Il est grand temps de rentrer chez nous. C'est Jeanne au coin qui la première aperçut les Bastaraches. Ils approchaient, la tribu complète, tirant un chariot à deux roues, enfaité de grabats, de nippes et d'une batterie de cuisine plus cobie que leur bonnet. 10 ans plus, et les Bastaraches seraient retournés à l'état sauvage, comme les ours ou les chats-cerviers.
Jeanne Aucoin les mit au courant du malheur qui venait de frapper la famille Cormier. Et les Bastarache, à leur manière, s'unirent aux pleurs de la Charrette sur le violon. Un violon, Takawer, le seul réchappé du grand dérangement. Un violon en pur frêne blanc, passé centenaire et transmis en héritage aux Basques depuis les aïeux du fort Lajoie à l'île Saint-Jean. Célina dressa le nez et renifla. D'un geste, elle fit taire le violon et rangea la Charrette et les Chartins autour de la croix de bois. « Dites rien », qu'elle avertit tout le monde. « Faites comme si !» Mais la sorcière ne réussit pas à camoufler la fosse à l'œil du planteur qui inspectait ses champs. « What is it ?» Qu'est-ce qu'il faisait là, les maraudeurs, et ce trou dans la terre, dans son champ? Toute la contrée lui appartenait. Qui avait osé creuser chez lui, enterrer chez lui ses charognes? Les Cormiers se serrèrent les uns contre les autres, mais Pélagie et les Bastarache dressèrent le front. Et Jean déclara en anglais au planteur qu'on venait de mettre en terre un enfant de 8 ans. Le planteur eut un léger plissement de paupières, mais tint ferme. Personne n'avait droit à ses champs, morts ou vifs. Pélagie s'avança à un pied du maître des champs de coton. On avait enterré là un petit garçon nommé Frédéric, sous les yeux de sa mère et des siens. Un enfant mort en un jour de l'inflammation des boyaux. « Ça se donne point !» coupa Célina. Il n'était plus un danger pour personne, le pauvre, et on ne pouvait ni le livrer aux corbeaux et aux vautours, ni l'emporter dans la Charrette des vivants. On allait le laisser là, à l'endroit où Dieu l'avait frappé, que le planteur fasse son prix. Il fit son prix, le pingre, après un examen attentif de la Charrette, du chariot et des chartons. Et pour payer ses 6 pieds de terre aux planteurs qui les avaient surpris en train de creuser dans ses champs en friche, les Cormiers durent se défaire du dernier souvenir rapporté du fort Beau Séjour. La cartouchière qui avait appartenu à nul autre qu'à l'ancêtre Pierrot, héros de 1755. « Je nous en souviendrons de vos chants de Ramnel !» que vociféra Célina la boiteuse en agitant son poing sec sous le nez du planteur botté jusqu'aux genoux. Le clan des Cormiers, en tout cas, s'en souviendrait. Vous pouvez danser là-bas dans le nord, autour du brasier d'un pays qui a flambé dans le ciel un matin de septembre. Danser et chanter et réciter la complainte des morts entre les 6 chandelles et le crucifix. Mais pendant les joyeuses funérailles de cette Acadie du Nord, auxquelles trinquaient si joyeusement Lawrence, Winslow, Monckton et le roi George dans toute sa joyeuse majesté, des lambeaux d'Acadie du Sud remontaient, tête entre les jambes, piaffant, suant et soufflant des 2 narines, une Amérique qui n'entendit même pas grincer les essieux de la Charrette. La mer, enfin! Et Pélagie, qui gardait depuis quasiment 2 ans les rênes de sa Charrette entortillée sur ses poings fermés, ouvrit toute grande ses paumes à la rosée du petit jour. Même les bœufs, secouant leurs jougs de cornes, essayèrent de galoper en scandant le chant qui sortait tout bas des rescapés de la nuit. J'ai du grain de mie, j'ai du grain de paille, et j'ai de l'oranger, et j'ai du tri, et j'ai du tricolis, j'ai du tricolis. Qu'est-ce que c'est? C'est le Belloni qui fixe l'horizon, mauvais signe. Quoi c'est qu'il avise encore, le radoteux? Tout à coup, il lève un bras et pointe vers l'horizon. Geste oublié depuis l'époque où il lisait la mer et le temps au bassin des mines, au bénéfice des pêcheurs qui partaient au large. Il balbutie, à peine, mais quand même, il balbutie. Il parle à quelqu'un. Allons, Belloni le vieux, dites à Célina et à la Charrette. Le vaisseau fantôme, il l'a dit. Et la Charrette, les chartons, les bœufs, toute la troupe fige. Le vaisseau fantôme. Les Charrettes frémissent devant ce brasier vivant qui lance des éclairs dans le ciel en fonçant sur la barre du jour. Un bâtiment en feu, une voilure en feu, des mousses, des matelots, un quartier-maître flambant au soleil sous les yeux éblouis des déportés qui croyaient avoir laissé les bateaux fantômes en Acadie. Puis, l'une après l'autre, les voiles s'éteignent et se gonflent sous la brise du matin. Ma grande foi, ils rentrent au port! Il manœuvre comme s'il allait accoster. Arrêtez-le, sacre Dieu! On aperçoit maintenant clairement l'équipage fantôme sur le pont, les mains noires de cendre et le visage allumé par les dernières flammes mourantes.
Un équipage de mousse, de second, de quartier-maître, énorme, transparent, Dieu! Tous transfigurés et splendides, avec de la chair entre la peau et le squelette, comme les vivants. Des revenants si bien revenus que leur bâtiment avait dû couler dans les nuages, laquillant l'air, quelque part au pays de l'oubli. Bélonie, de nouveau, ouvre la bouche. Le quatre-mâts anglais qui a péri en mer, corps et bien, lors du grand dérangement. Célina se jette à genoux, entraînant les Cormiers, les Thibaudeaux, les Bourgeois, les Girois et même les Basques. C'est l'affolement. Seule Bélonie reste tranquille et seule Pélagie reste debout avec les bœufs. Soudain paraît le capitaine, immense, sur le maître-pont. Le soleil levant allume son chapeau et son jabot Louis XV, et l'Acadien marche vers le nord, s'arrête à cette apparition de son passé et retient son souffle. Pélagie, debout à la tête de ses bœufs impassibles, affronte de tous ses yeux et de toute son âme hardie le fantôme qui daigne, en terre d'exil, lui faire ce clin d'œil du pays. Elle ne prendra point peur et ne se défilera pas, que les morts se le disent. Elle qui n'a point hésité à s'emparer à deux mains d'un avenir absurde et chancelant, ne bronchera pas devant un passé réincarné dans un capitaine et son bâtiment coulé en haute mer une génération auparavant. Qu'il parle, ce héros du ciel ou des enfers, et lui dise son dit. Le front du capitaine se déride et ses joues éclatent dans un large rire à l'ancienne, comme Pélagie n'en a point entendu depuis le temps. Alors les bras de cette femme éperdue se referment sur son cœur pour le garder au chaud et l'empêcher de bondir hors du coffre. Ce rire vient du passé, mais point de l'au-delà. Et de la poitrine de cette veuve d'Acadie qui traîne depuis tant d'années une plaie ouverte s'arrache un cri que même les morts auront entendu. Il est en vie! Les charrettes, l'une après l'autre, ont grincé de surprise en réponse à la vache marine qui, du fait des haubans, leur apportait le bonjour des mers du Nord. Il était vivant, le capitaine Broussard. Broussard dit beau soleil, maître d'un quatre-mâts anglais rebaptisé la Grand Goule et de son équipage de rescapés. Si fait, Bélonie, des rescapés, rescapés en plein océan, arrachés à la mer en furie et à leur geôlier impitoyable par nul autre que Beausoleil, déporté lui aussi d'Acadie. Et Beausoleil Broussard lui-même, vivant corps et âme, saute sur le quai au pied de Pélagie et présente son bâtiment à la charrette. L'un après l'autre, les matelots débarquent et s'en viennent secouer les épaules de leur pays et pays adgermain. Un bourg, salut! Un Pélivaud, un Légère, cousin, un Gautreau, vieille branche, un Cire, un Godette, un Robichaud, un Leblanc, encore un, sacre Dieu, Takaouer, Asteur. La charrette englousse et son essuie les essieux. Sans mentir, ce sont les plus joyeuses et émouvantes accordailles entre la mer et la terre ferme de mémoire acadienne. Les plus émouvantes pour Pélagie, en tout cas, et pour Broussard dit Beausoleil, capitaine au sol et sur l'eau, qui s'était reconnu par-delà les années. Ainsi se sont reconnus Beausoleil et Pélagie. Et avec eux, leur double équipage, rencontre de la mer et du continent après 17 ans. Pélagie s'en caressait la gorge et s'en essuyait les yeux. Sa peau avait-elle perdu sa blancheur des hivers de la Grand Pré? Et ses lèvres, leur sourire confiant face au vent du Norrois? Et son regard, sa vision qui débordait l'horizon de la baie française et du bassin des mines et scrutait des terres à conquérir? Elle respirait de toutes ses forces Pélagie ce matin-là et grasseyait pour empêcher sa voix de trahir le frisson qui lui chatouillait la gorge et les reins. Beausoleil n'avait pas 30 ans au matin du grand dérangement qui déportait son peuple dans le sud. Mais des 30 ans, il en avait vécu plus de la moitié sur l'eau et connaissait la mer mieux que l'arrière-cour de son logis. Les Broussards, de père en fils, jouaient avec les baleines et se moquaient de la vague et du nordais. Ils avaient tous bu plus d'un coup à la grande tasse, comme qui dirait, et en avaient gardé dans le gosier une couche de sel qui leur valait cette voix grave et rauque. Et une soif qu'on se passe de père en fille. Mais ils avaient toujours fait surface, les Broussards, comme si la mer elle-même craignait d'avaler une race assez hardie pour lui dénouer les racines et les veines d'eau au fond des fonds.
La chronique du temps en avait conclu qu'aucun beau soleil jamais ne disparaîtrait sous l'eau, mais passerait son éternité à voguer loin au large, entre les algues géantes qui amarrent l'horizon au soleil couchant. C'est alors que Katoun se détacha du groupe et courut vers la Grand-Goule. Ses yeux de chatte avaient vu bouger une voile, celle du mode misaine. Quelqu'un sur le passe-avant se glissait entre les vergues, cherchait à s'emparer du bateau. Et Katoun enfila la passerelle et sauta sur le pont. « Sacre Dieu, qu'est-ce qui se passe encore ?» Pacifique Bourgeois n'aimait pas qu'il se passe plus de choses que les choses strictement indispensables à une expédition comme celle dans laquelle on l'avait embarqué, bien malgré lui, et qu'il aurait volontiers échangé contre un bon lit de plumes comme jadis. « Katoun ! Reviens, Katoun !» De toute manière, savait tout l'air que la Pélagie elle-même ignorait le trajet qu'elle avait l'intention de faire suivre à ses bœufs. Des bœufs qui ne tiendraient point le coup, ça, Pacifique Bourgeois, on avait la certitude. Et si nécessaire, il en parlerait au Thibaudeau et au Cormier, ah, pas au Girouet, c'est Geignard et Flamou. Quoi c'est qu'elle a trouvé? Elle avait trouvé la petite Goule, ce géant de la race des Gargans et Gargantua, qui avait parcouru les vieux pays sur l'an premier, abattant des montagnes sur leur passage, creusant des lacs de leurs sabots et se balançant les pattes à califourchant sur les églises, en pissant sur la foule en guise de bienvenue. La petite Goule sortait de ce genre de lignage, au dire de Pierre Apitre, dit le fou, son compère depuis le sauvetage du cachalot. La charrette dut prendre une profonde inspiration pour suivre le récit de ce Pierre le Fou qui bousculait les histoires les unes par-dessus les autres, des géants à la petite Goule au cachalot qui les avaient tous deux rescapés des Anglais et garochés sur le pont du quatre-mâts du capitaine Beausoleil. « Ça t'apprendra, beau géant, que lui dit le capitaine, à faire le honteux et à te cacher du monde. Ça sera tout le temps le plus petit ange du bon Dieu » qui te dénigera et te ramènera ton équipage. » Il était au grand complet l'équipage de la Grand-Goule, qui put raconter, grain par grain, le chapelet d'aventure que vivaient depuis près de 20 ans ces nouveaux Robin des Bois. Robin des Mers, que devait dire plus tard l'un des Belloni. Si fait, le beau soleil broussard, ça a été notre Robin des Mers. Pélagie la charrette de nouveau s'entoura la poitrine de ses deux bras pour empêcher son cœur de bondir sur le pont de la Grand-Goule. Robin des Mers. Les plus vieilles souches n'étaient vieilles que de 5 ou 6 générations en Acadie, mais c'était pourtant la plus vieille souche européenne en Amérique du Nord. C'est dans l'avenir du Méchoui qu'il faudra compter les souches, et m'est avis que pour en faire le compte, faudra faire des voyagements loin au nord et loin au sud. » La phrase de Beausoleil atteignit tout le monde en même temps. Sans mesurer l'exacte distance entre le nord et le sud, les charrettes n'en eurent pas moins le sentiment qu'on venait de reculer la voile de l'horizon. « Y a-t-il du mystère là-dessous ?» s'informa Jeanne Aucoin, qui cherchait toujours à rapatrier des branches giroides emportées par la dépouille de vent. « Jusqu'où c'est qu'il y en a des nôtres, Beausoleil ?» C'est alors que le Robin des Mers raconta la Louisiane. La Louisiane, Takawer. Tous les déportés en avaient entendu parler. Une terre française, sise à l'ouest de la Caroline et de la Virginie, quasiment à la porte. Un pays de liberté, de soleil et de melons d'eau. Et d'écrevisses plaient les bayous. Ah, ce qu'il en connaissait des choses, ce beau soleil. Il pouvait vous nommer par leurs petits noms les navires accostés à la Nouvelle-Orléans et vous dénombrer des familles et vous fournir leur provenance, les détails de leur pérégrination et les péripéties de leurs aventures. Ainsi, il mit l'eau à la bouche à tous les Cormiers et à tous les Giroirs et surtout au Thibaudeau avec son histoire de la Louisiane. Une Acadie du Sud, plus proche et plus chaude que l'Acadie du Nord. Peut-être plus riche, sûrement plus accueillante par les temps qui vont. Une Louisiane débordante de Martin, de Dugas, de Babineau, de Bastarache, tiens, de Bernard et de Landry, à ne plus savoir où les crêcher. Des Landry, vous me dites pas. Des Landry de la paroisse Saint-Landry, figurez-vous, et qui marquaient déjà leurs bestiaux de leurs signes pour les faire respecter. Des Martins qui donnaient leur nom à Saint-Martinville. Des moutons qui parlaient d'homme à homme au gouverneur. Mon tout c'est maître, avec des prêtres pour leur chanter l'office, et des lois pour les défendre, et des terres pour les nourrir.
Mais point de tombe à fleurir, songea Pélagie, ni de racines à déterrer. Les hivers sont durs au bassin des mines, Pélagie, que son vin lui soufflait Anatole Ajude Thibaudot, maître de forge. Et si je me souviens bien, faudrait vous souvenir du tout de la saison des métives avec ses pommiers tant chargés que les nooks des branches en craquions. Et la saison des sucres avec sa sève d'érable qui dégoûtait dans les timbales. Et la saison des petites fraises des bois. Ils avaient-ils des petites fraises des bois et du sirop d'érable dans votre Louisiane? Qu'elle demanda en plein dans les yeux du capitaine, la Pélagie. Et le capitaine en rit de toute sa gorge rauque de sel et de vent du large. Quelle femme, cette Pélagie, capable à elle seule de ramener un peuple au pays, de le ramener à contre-courant. Car le courant descendait vers le sud dans ces années-là, et Beausoleil avait vu la moitié de son peuple s'y glisser et se laisser emporter vers les Antilles et la Louisiane. Mais voilà qu'il croisa sur sa route cette nuque raide et ce front haut qui osait se dresser devant tous les siens et leur hucher, attelé à sa propre charrette. Ça serait-il les marécages brûlants et fiévreux qui engorgeront les bayous de la Louisiane que vous cherchez? Et c'est leur pain ranci que vous irez mendier sur le marchepied des plantations créoles de la Nouvelle-Orléans? Vous avez donc oublié le pays que j'ai quitté là-bas, hein? Nanny, personne ne l'avait oublié. Pélagie pouvait dormir tranquille. Un peuple qui n'a pas oublié la France après un siècle de silence et d'isolement n'oubliera pas au bout de 15 ans d'exil ses rêves d'Acadie. Il se souvenait de sa frayère comme les saumons, et comme les saumons, il entreprit de remonter le courant. Le lendemain, à la barre du jour, Pélagie et Beausoleil s'en furent marcher sur le sable qui bordait la mer de Caroline. Ils virent ensemble s'évanouir l'étoile du berger et s'allumer les gouttelettes d'argent qui chuintaient à leurs pieds. Longtemps, ils ne dirent rien, et Bélonie, à quelques pas derrière, arrivait à peine à entendre leur souffle. Finalement, c'est elle, Pélagie, qui ouvrit la bouche. « J'aurai une grâce à vous demander, Beausoleil, avant de basir chacun de notre bord. » Beausoleil s'arrêta et Bélonie le vit qui penchait la tête. « Il me reste 3 garçons et une fille, plus un enfant trouvé que le ciel a garroché dans le creux de Monteventeau au jour de l'épouvante. » Beausoleil sourit et Pélagie put continuer. « Le choix que j'ai fait, c'est la vie qui me le commande. » Aux propres enfants avendus de mon ventre, je peux point bailler plus que la vie. Mais à la Catoune, faut l'y rendre. Y rendre la vie? Je l'ai recueillie, l'orpheline du bon Dieu, esclopée au ventre et à l'âme. À cette heure, il faut la protéger, par rapport qu'elle va sur ses 20 ans et sur sa vie de femme. Si vous me la confiez, j'en prendrai soin et je fais serment que personne n'y touchera. Non, c'est à moi à la défendre. Du Mechoui, elle est mon enfant. Je vous demande de prendre dans votre navire les 2 plus grands dangers pour la Catoune, les fringants de Maxime Basque et de Jean, mon fils. Mais Jean, c'est point aussi votre enfant? C'est vous qui le défendrez à ma place. Il prit une profonde aspiration d'air salin, Beausoleil, et enveloppa Pélagie d'une voix si rauque qu'elle en eut mal jusqu'aux reins. Et si je prenais aussi la mère avec le fils, et ce qui reste de la famille à Jean Leblanc d'Acadie? Il la prendrait juste là, tout de suite, et l'emporterait, et la logerait comme sa reine, sous le gaillard de la poupe. Et ensemble, ils braveraient le large et le siècle et l'histoire. Oui, elle et lui, pour regrimper l'histoire à rebours. Pélagie, Pélagie de la Grand Pré, vous savez bien que la vie passe point 2 fois dans le même sillon. Pas plus qu'une quille de goualette dans le même remous. Si je laissons les mouettes emporter l'heure que je tenons dans nos mains, je risquons de la voir basir à jamais. Pourquoi c'est que j'accepterions point le présent que la vie nous baille à tous les deux le même jour? J'avons-y point mérité une petite affaire de répit et de contentement après une vie d'errance au large du large? Il lui prit les épaules dans ses mains qui avaient un jour rompu le timon d'un 4-mâts. Et à bout de souffle. J'allons-t-il point un jour voir apparaître une colombe dans le ciel, Pélagie? Une colombe avec sa branche d'olivier dans le bec. Une voix rauque, des mains de timonier,
des yeux creux et bleus de mer qui versaient dans son âme 20 ans de rêve et de désir. Pélagie en suffoquait. Et Bélonie, pris de pudeur, cherchait à s'esquiver sans se trahir. Elle se débattait, Pélagie, voulait se défendre, sauver une famille et un pays qui s'était agrippé à son bras et la traînait à contre-courant vers la source où les poissons retournent frayer et mourir. Mais elle perdait pied dans ses bras et se laissait couler vers les eaux profondes sous le gaillard d'un quatre-mâts qui filait au soleil. Le soleil, le sud, le creux d'une épaule à l'odeur salée. Et un jour, les pieds ancrés quelque part, dans une terre neuve, vivante enfin et libre. Une terre neuve et libre. Bélonie la vit tout à coup se redresser. C'était la terre qu'avaient choisi ses aïeux un siècle auparavant, cette Acadie si vierge qu'on y plantait des semences et des plants sauvages. Jamais et nulle part, elle ne retrouverait terre plus vigoureuse et plus libre. Terre plus rêvée par 5 générations de ses pères. Elle coucha sa joue dans la paume de son capitaine et la caressa. « Allez, Joseph Broussard, dit Beau Soleil, allez encore un bout de temps vous battre avec la mer. Allez empêcher les lames de dévorer encore un coup un seul des vôtres et des miens. Il reste des restants de famille éparpillés en terre étrange et qu'il faut rentrer au pays. Et puis, chagrinez-vous pas. Ça arrive des fois que le même bâtiment repasse dans le même sillon et que les goëlles en revenions au même endroit. » Elle leva la tête et l'avisa. « À quoi ça servirait, Beau Soleil, d'avoir une branche d'olivier dans le bec si j'avons point de terre où c'est la planter? » Beau Soleil prit dans ses mains le visage de cette femme comme s'il fût sa boussole. « Je vous rattraperai en Maryland, Pélagie la charrette, dans le port de Baltimore. Là, je vous rendrai votre garçon qui aura appris entre-temps à guider les bœufs franc nord. Et alors, si les goélands sont revenus? » « À Baltimore, Beau Soleil. Pélagie, à Baltimore. » Bélonie revint en trottinant vers le groupe qui frétillait, tournoyait autour des bagages et commençait à s'inquiéter. Des heures qu'ils avaient basées, ces deux-là, il se passait-il des choses graves qu'on craignait d'annoncer? Pélagie était point genre aux cachotteries, et Beau Soleil. C'est Bélonie qui ramena la paix. Et avec la paix, l'instinct de défense et de nouveaux combats. Ça a commencé par le jeu des échanges. Je te passe mon tabac, tu me donnes ton couteau, je te troque tes bottes contre mon bonnet et ma chemise contre ta hotte. 2 minots de blé pour 1 cruche de cidre et ton coffre, jamais de la vie. Bon, vous allez point recommencer. Non, rien recommencer du tout. On touche point aux objets sacrés, pas plus qu'aux prêtres, ni à la religion. Pfff! Un jour, un écervelé va y mettre le feu par accident à votre coffre et j'en entendront plus parler. Oui. Et ce jour-là, un étourdi pourrait y bailler un coup de pied au cul à votre écervelé et l'envoyer voler au-dessus de la lune, par accident. Mais les accidents n'eurent pas lieu et tout finit par s'arranger, les partages s'effectuant sous la justice de Beau Soleil et de Pélagie. Partage des biens d'abord, puis partage des hommes auxquels consentirent sans rechigner Jean et Maxime, les gaillards. Avant midi, la goélette et les charrettes, gris comme neuve, commençait déjà à tanguer. Beau Soleil allait monter à bord quand il se retourna d'un coup sec vers Pélagie. « 2 hommes contre 2 hommes, » qu'il dit. « Comment? Mes mousses contre vos charretiers. » « Ces mousses? Ces mousses, c'était le fou et le géant, ces meilleurs hommes. Vous voulez dire? Eh oui, que voulez-vous? Il n'allait quand même pas quitter cette femme sans défense au milieu de 3 ou 4 clans à griche-poil et facilement chatouilleux. Il lui laissait ses gardes du corps, ses mousses les plus fidèles. Un petit morceau de lui-même, en quelque sorte. Et Pierre à Pitre et la petite goule redescendirent la passerelle, sac au dos. « J'en prendrai en grand soin, capitaine, faisez-vous point de soucis. » Mais Célina dit ça pour dire n'importe quoi et ne point laisser languir les adieux, ne se doutant pas de l'importance du pacte qu'elle venait de contracter. Et elle poussa dans le dos les 2 mousses vers les charrettes. Pendant que Jeanne Auquet répétait d'un groupe à l'autre, « C'est bien, vous avez vu une goélette lever l'ancre avant cette heure, faisez-vous une raison. » « Une raison, » qu'elle dit. « Si vous pensez que la raison sert à de quoi en ces moments-là. »
C'est point parce qu'on a dit adieu plusieurs fois dans sa vie qu'on en a pris l'accoutumance. Non, Jeanne Aucoin, une personne s'accoutume point aux déportations, aux déchirures, aux plaies ouvertes. Et par les temps qui vont, une personne ne sait jamais si son adieu n'est point pour tout bon. »